L'année dernière, pendant le tournoi, j'avais eu la chance de discuter avec son papa, qui m'avait dit bah, voilà, qu'il en avait parlé à Lucas et que peut-être ça allait se mettre en place. Et puis, bah, voilà, j'ai su quelques mois après qu'en effet ça allait se mettre en place. Et hier soir, que justement, Lucas avait une petite fenêtre et qu'il venait ici à Hasbrouck. Donc voilà, j'en ai profité pour arrêter tout ce que je faisais et d'être là. C'était obligatoire. Mise en lumière d'un sport qu'il mérite. Hein. Complètement. Complètement. Moi, entre guillemets, par rapport à ce qui m'est arrivé, ça m'a un peu sauvé. Parce que j'ai des grosses douleurs neuro, je ne dors pas la nuit. Et je pense que sans sport, ce serait très très compliqué. Et c'est vraiment un sport génial. Qui est très technique, qui est physique, qui est très tactique. Et sur les tournois, il y a vraiment une super ambiance. Quand on fait un tournoi, on est tous dans le même hôtel, on forme vraiment une grande famille. Et c'est vraiment un sport qui mérite d'être connu. Et j'encourage beaucoup de personnes handicapées à venir essayer le tennis en fauteuil. Même si au départ, c'est pas facile,